Alors, sur le stand d'FXM avec Vincent Gagne qui est chef analyste chez FXM France, Daily FX. Vous venez de recevoir un prix de la confiance, je crois spécifique à l'analyse technique justement et à toutes les ressources que vous fournissez. Est-ce que vous auriez un commentaire à faire à ce sujet ? Eh bien, bonjour à tous. Bah, écoutez, en effet, on est au salon de l'analyse technique. Donc là, on vient de me remettre ce prix-là suite à une présentation sur les indicateurs de volume FXM. Donc forcément, nous, on est satisfaits. Ça récompense, je dirais, le travail qu'on fait chez FXM pour aller au-delà des indicateurs techniques qui sont connus de tous, assez classiques. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute les demandes de nos clients et on construit à la base de nos données de prix des indicateurs techniques qui sortent un peu de la norme. Hein. Ce ne sont pas des indicateurs standards. Donc là, aujourd'hui, j'ai présenté des indicateurs de volume réels. L'idée, c'est quoi ? C'est que sur le volume, généralement, sur la plupart des plateformes, on connaît le tick volume, qui est simplement la fréquence de changement de prix, mais ce n'est pas l'information monétaire ou le volume qu'on peut retrouver lorsqu'on échange sur une action française ou le CAC 40. On a la somme d'argent monétaire qui est investie. Ce que propose FXM, en utilisant les trades de ses clients réels, alors il faut aussi remettre les choses dans leur contexte, ce sont les trades réalisés chez FXECM, mais qui a quand même une taille critique à l'échelle du monde, hein, puisqu'en termes de volume, nous sommes tout simplement numéro 1. On vous propose d'accéder en temps réel sur 14 paires de devises et sur de nombreux horizons de temps aux sommes d'argent investies en temps réel sur les paires de devises. Alors ces indicateurs, ils se déclinent de différentes façons. Vous avez d'une part les deux indicateurs bruts, le volume d'échange réel, le nombre de transactions. Le volume d'échange réel, c'est que vous allez par exemple savoir sur une séance tant d'argent a été investi sur l'euro-dollar, disons 5 milliards sur une séance, et vous allez savoir en face le nombre de tickets d'ordre qui ont été validés. Si vous avez l'habitude des stations de trading FX, vous prenez le ticket d'ordre, vous cliquez sur achat ou vente, ça compte pour une transaction. Et à partir de ces données brutes qui sont déjà différentes du tick volume, qui n'est pas une réelle information monétaire, on construit des indicateurs dérivés, notamment l'indicateur de volume directionnel, qui lui vous donne en fait le volume d'argent qui s'investit sur les positions à l'achat et le volume d'argent qui s'investit sur les positions vendeuses. Vous avez une séance où vous avez 5 milliards échangé sur le cross euro dollar, cet indicateur de volume peut vous dire à la fin de la journée 4 milliards sont sur les tickets vendeurs, 1 milliard sur les tickets acheteurs, etc. Et ensuite, on étudie le rapport entre le volume d'échange réel et la quantité d'ordres envoyés dans le marché. Et vous pouvez partir du principe que si par exemple sur une séance vous avez un volume d'échange réel énorme et que vous avez au contraire très peu de transactions validées, partir du principe que sur certains tickets d'ordre, eh bien des quantités de capitaux importants sont investies et que vous avez probablement derrière des mains fortes qui se sont investies. Donc ces données de volume, elles sont basées sur nos clients réels. Et concrètement, je pense qu'FXM est tout simplement le seul broker à présenter ça à l'heure actuelle. Ce trophée que j'ai reçu aujourd'hui récompense probablement cet indicateur, mais pas seulement, puisque des indicateurs techniques atypiques, on en crée. On travaille notamment énormément sur une application qui s'appelle StrongWeek, que vous connaissez peut-être, qui permet d'avoir une approche relative des monnaies. Vous allez pouvoir savoir sur différents horizons de temps et en temps réel si les flux se dirigent davantage vers l'euro, le GBP, ou si au contraire les flux vendeurs se dirigent vers d'autres monnaies. En partant du principe qu'une paire de devises n'est que la confrontation entre deux monnaies, c'est qu'une force relative, cet indicateur StrongWeek se concentre sur le travail sur une monnaie propre et puis derrière en déduire des stratégies. Si sur un instant T, disons l'horizon de temps 15 minutes, vous avez des flux à l'achat de manière globale sur le GBP et qu'au contraire l'AUD rassemble beaucoup de flux vendeurs, eh bien là, à ce moment-là, vous avez votre cross GBP-AUD qui est la paire de devises la plus dynamique dans le sens de la hausse. Donc voilà, ce sont des indicateurs alternatifs qu'on propose et finalement, mois après mois, on en crée des nouveaux et je pense que cette récompense eh bien, sanctionne ces éléments-là. Très bien. Une chose supplémentaire, effectivement, ce dont tu viens de nous parler, le fait d'avoir les volumes, c'est vraiment un pas en avant puisque bien souvent, ce qu'on pouvait reprocher au Forex par rapport au marché centralisé, c'était justement une information manquante qui était les volumes. Alors, c'est au niveau de la conception même de ce marché, puisque c'est un marché interbancaire, c'est assez logique. Ceci dit, avec ces informations, on a quand même une information significative relative au volume. Est-ce que c'est important pour toi, en tant qu'analyste qui a quand même une sacrée expérience professionnelle, est-ce que justement cette information relative au volume a un intérêt significatif ? Alors, on est ici au salon d'analyse technique et on a coutume de dire dans la plupart des ouvrages que le volume se travaille avec les prix. Ce sont les deux informations les plus importantes, volume, prix, et on va même jusqu'à dire que le volume est en avance sur les prix.
Et ça, c'est quelque chose qu'on applique de manière générale en analyse technique, essentiellement sur le marché des actions, puisque c'est souvent ce marché qui fait penser aux données de volume. Et au fond, pourquoi ne pas bénéficier du même type d'informations sur les paires de devises? En clair, si vous avez une tendance haussière, le prix et les volumes doivent avancer ensemble. Dès lors que la phase haussière se poursuit sur les prix, mais que le volume décline, ou que vous constatez à ce moment-là, en utilisant notre indicateur de volume réel, que les prix avancent, mais que le volume s'investit davantage sur les positions vendeuses que sur les positions acheteuses, vous avez là le concept de divergence. Convergence, divergence, deux concepts qui s'appliquent donc lorsqu'on fait un lien entre les indicateurs et les prix qu'on peut utiliser sur le Forex. Donc c'est une donnée de participation et là qui repose sur les trades réels. Très bien, merci Vincent pour toutes ces réponses. Merci à toi.